c'était super beau. Super doué. Une fois, on s'est porté deux semaines dans une cimetière. On a attendu un fugitif près de la tombe de sa femme. On l'a empaillé quand il est venu lui apporter une douzaine de roses. Elle est morte quand il était en prison. Non, juste avant qu'on l'y mette. C'est lui qui l'a tué. Avec sa bouche. Non, vérite. Et le bus s'est couché sur les mers. Ce qui explique que l'écart se soit réduit si vite entre le camion et le bus. C'est aussi qu'il fait. La première, le bus a augmenté sa vitesse un peu. Étant donné la masse de ce genre de véhicule, c'est tout à fait improbable. Ou alors, le camion devant le bus a réduit sa vitesse. Au moment critique, obligeant le pick-up à couper la roue du bus. Ouais, c'est ça, le camion. Donc il s'agit d'une chaîne de Markov. Exactement, monsieur. C'est ça. On essaie de comprendre un truc qui n'a pas de sens. D'habitude, c'est ce que tu fais mieux. Ah, c'est quoi? Où est le problème? Apparemment, ça viendrait de la semeuse. C'est le camion, la semeuse. Ouais, bon, et alors? C'était pas un accident. C'était un coup de tête. J'analyse toutes les données que vous avez. Je m'intéresse à votre méthodologie pour traquer les fugitifs. Vous expliquez comment on procédait avec ses amis, la famille, ou en faire en plus. Et ça donne quoi? Eh bien, je me contente aux informations parlant des endroits où on a été aperçu. Et aux crimes avec violence commis depuis la révolution qui peuvent avoir un rapport avec eux. Vous prétendez faire ce que je fais avec des chiffres sur un anneau?